Ce mardi 14 mars, le journaliste Michel Marie du Nouveau Détective a donné des nouvelles de Pierre Palmade dans Touche pas à mon poste. Selon ses informations et celles de Cyril Hanouna, l'humoriste ferait face à un problème cardiaque. Les rebondissements se multiplient pour Pierre Palmade. Après le grave accident de la route qu'il a causé le 10 février alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, l'ancien meilleur ami de Muriel Robin a été hospitalisé et placé en détention provisoire jusqu'à son procès comme l'avait demandé la cour d'appel de Paris le 24 février. Alors que l'humoriste était lâché par ses plus fidèles alliés, il a été victime d'un AVC. Un événement qui a changé la donne, puisque ses avocats ont estimé que son état de santé était incompatible avec un placement en détention provisoire. Le 6 mars, la juge d'instruction de Melun, qui est chargée de l'affaire, a accédé à une demande de mise en liberté formulée par l'homme de théâtre. Toutefois, Pierre Palmade était toujours hospitalisé et placé sous contrôle judiciaire. Dans la foulée, le parquet a fait appel avec un référé détention, ce qui a suspendu la décision. Et le résultat est enfin tombé ce mardi 14 mars, à 9h. Pierre Palmade reste sous contrôle judiciaire et ne sera pas placé en détention provisoire. Finalement, son état de santé n'est pas incompatible avec une détention provisoire, sauf que l'évolution de son état de santé amoindrit son risque de récidive, donc pour toutes ces raisons, la chambre d'instruction maintient son contrôle judiciaire, a-t-on découvert sur BFM Télévision. Les nouvelles ne sont pas bonnes à propos de Pierre Palmade dans Touche pas à mon poste ce 24 mars, le journaliste Michel Marie du Nouveau Détective a donné des nouvelles sur la santé de Pierre Palmade. Selon lui, l'ancien protégé de Michel Larocque ne va pas très bien. A priori, les séquelles de son AVC sont plus importantes que ce que l'on pensait, a souligné Cyril Hanouna. Une information confirmée par Michel Marie. Il s'est rajouté à ça a priori, un problème cardiaque puisqu'il a été à Marie-Lannelongue, qui est un hôpital spécialisé pour les problèmes cardiaques, a rapporté le journaliste. Une information qui assombrit encore un peu plus le tableau. Just keep taking.